Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rome 2 Total War, toujours sur le DLC Rise of the Republic. Et on était prêt à passer le tour, on avait joué nos agents, on avait placé nos armées, on était prêt à partir en conquête pour changer un peu de la reconquête. Le prochain tour, on essaiera d'envoyer quelques diplomates pour améliorer les normes publiques parce que c'est un peu le drame. J'offre la Alors, paix, tout eux comme ils veulent une paix, non, plans. Toujours pas. J'ai parlé avec honnêteté. Ils nous cassent les brutes. Et ma récompense. Pour rester Ainsi poli. En ont décidé les dieux. Alors, lui, il tente d'assassiner mon mec. Ah, merde, il a réussi. Fait chier. Ah, il est très haut niveau cet agent là, ça fait un peu chier. Alors il y a des espions qui font des trucs, il va continuer d'essayer de laminer mes armées, normal. Il y arrive. Ici il ramène quelques renforts, c'est avisé de sa part parce qu'il va se prendre une grosse tatane. Une armée de séparatistes samnites a débarqué, oh oui, puis elle s'est renforcée en plus. On a un mec qui a été trouvé, on a été blessé. Ok, on a une unité corrompue et on n'est plus à l'abri d'une guerre civile. Donc ici, il a visiblement décidé de prendre en masse des mercenaires. On peut pas aller en renfort de cette ville-là, du coup. Mais bon, il y a quand même du mec de qualité s'il décide de foutre la merde. On va quand même du coup se diriger par là-bas. Ah, je peux aller que jusque là. On va quand même se diriger par là-bas au cas où. De toute façon, là, pour l'instant, la seule ville à porter, c'est Barion. Et ici, je pense qu'on a quand même suffisamment de force pour aller l'emmerder. On sait pas ce qu'il y a ici, c'est dommage. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut faire des trucs? On peut toujours tenter de le corrompre, on va essayer. On a réussi à l'entraver, c'est pas ouf, mais c'est toujours ça de pris. Ah, lui il a été entravé, il peut pas aller très loin. On peut tenter d'assassiner, 70% de chance d'assassiner ou de le blesser, c'est pas mal. Parfait, on l'a blessé. Alors ici, il se balade chez nous ce mec là, ça m'emmerde un peu. On va se mettre à le poursuivre avec cette petite armée là. Pendant ce temps-là, lui, il va continuer de se refaire. On va essayer de le ralentir. Si on peut, ce serait pas mal. Comme ça, le prochain tour, on se le fait. Nickel. Donc ce prochain tour, lui, il est à nous. Ici, ça donne quoi, la garnison? Elle est quasiment revenue, donc on pourrait aller par ici. Où est la limite? Ah, putain, elle est loin. On va aller par là pour se recruter un peu de cavalerie. Et ici justement, on est prêt. Donc on se remet en mode normal. Et on va se recruter un petit peu d'unités de cavalerie, un max, hein, puisqu'au pire on ira la donner à d'autres troupes. Voilà, et avec les sous qui nous restent pour ce tour-là... Ouais, bah toi tu vas prendre ça. On va envoyer des gens faire des trucs. Ah, on a un nouveau parti. D'accord, qui lui pour le coup est clairement pas ouf. Ben, t'es qui toi? T'es qui, t'es quoi? T'es le mec qui est là. Putain, le relou. Du coup on a une chance de rupture, ok. Et vous avez quoi comme Samnite, donc les partisans de marche, je vois pas de vert a priori. Enfin rien que si son armée fait sécession, ça fait chier. Très très clairement. Mec. Tu voudrais pas mourir?
Putain, moi 34 quoi, mais pourquoi aussi peu? Pacifiste. Moins 5 de loyauté par faction en guerre contre vous. Ah ouais, ok. Xénophobe, bigot, putain, il a que des trucs négatifs le mec quoi. C'est une blague ou quoi? Enfin, franchement, on avait enfin fini de se débarrasser. Il y a un nouveau parti là qui pop, c'est la fête. Il vient d'où? Il y avait même pas de. Putain, sérieux. Est-ce qu'on a moyen de faire des trucs? Assassiner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a assassiné en bleu là? Il faut quoi? 2 de ruse de plus. Il a 4 de ruse le mec. Putain, là. Tous nos mecs sont pourris en ruse. Fèche. Putain, mais tu viens d'où, mec, quoi? Sans blague. Je pourrais faire ça, ça va augmenter un peu sa loyauté, mais c'est sûr qu'il va. Toute son armée là, c'est fini quoi. Du coup, ce qu'il faut absolument qu'on fasse, c'est qu'on lève une autre armée. D'un truc. Voilà, genre toi. Ah putain, je peux pas. Mets-toi en marche forcée, puis va échanger des troupes avec lui. Voilà. C'est complètement abusé, hein, mais en même temps, ce mec est complètement abusé, quoi. Le truc qui pop à moins 34, là, c'est la fête, quoi. J'hallucine. Alors qu'on avait enfin réussi à stabiliser le pays, il nous balance un mec totalement déloyal, quoi. Bon, l'avantage, c'est qu'au moins, il a l'air d'avoir rien de particulier. Donc s'il se rebelle, on ira lui mettre une fessée et ça fera le job. Ok, donc ici. Donc non, du coup, je voulais envoyer des diplomates, moi. Voilà, à la base. Femme avide de pouvoir, femme influente, toi. Va essayer de faire ami-ami avec les gens avec qui on a des accords commerciaux, ce serait cool. La Ligue étrusque aussi, Carthage. C'est remonté notre... Pourquoi c'est remonté autant avec Rome, là? Il nous aimait à moins 120, là. Traité avec Ligue étrusque, guerre contre les Hirpins, ok. Ouais, pourquoi pas. Ok, donc lui, il a rien fait encore. En même temps, il peut pas faire grand chose avec son niveau. On va essayer de feinter lui là. Ok, c'est toujours ça de prix. Et ici, on attaque. Ok, alors on a une armée avec plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs. Pourquoi c'est bas la prédiction? Je ne sais pas, mais bon, normalement, même bas, on devrait pouvoir se les faire, non? Ouais, voilà. Parfait, bon, ok, on a un peu souffert. Donc on l'occupe sans la raser, bien sûr. Par contre, du coup, enfin, ouais, bah, putain, faut qu'on se retape la conversion, fait chier quoi. Quel play. Bon, on va déjà convertir ça. Et en attendant, ici, on va rester dans le coin. Alors, est-ce qu'on a des agents à jouer? Oui. On a elle. Bon, elle en même temps, elle est là pour glander un peu en attendant qu'on ait besoin. Ici. Ici, on va commencer à se diriger par là-bas. Avez-vous d'autres ordres ? Parfait, on arrive à voir cette ville. 400 hoplites, enfin presque 500 hoplites. Des toxotes, des frondeurs. Une petite armée. Ça va avoir le coup, je pense. Ici, on va se déployer, voler de la nourriture. Ce sera toujours ça de prix. Ici, on recrute. Parfait. Ici, bah, on verra si les mecs ils se rebellent. Hein. Alors ici, l'ordre public se casse la gueule, c'est normal, c'est à cause de la conquête. C'est pas un problème. Lui, il a rien fait. Parce qu'avec nos sous, on pourrait pas faire des trucs. Ouais. On va peut-être plutôt essayer de diminuer encore une unité de cette... On pourra corrompre le commandant. Oh, on va essayer, tiens. On a un bon pourcentage de chance. Ça peut être fun de regarder ce que ça fait.
Soko, ça fait. Ma mission a été un succès retentissant. Alors, vos unités ont tenté de corrompre le général ennemi, mais ses troupes l'ont découvert, l'ont attaqué leur commandant en représailles. Ok, donc du coup, le commandant est décédé. Bon bah, c'est toujours ça de pris, j'ai envie de dire. Ok, c'est parti. Ah oui, on peut mettre un édit maintenant ici. Très très bien. Vérifions vite fait que c'est pas tombé dans les mains des autres cons. Non, hein, c'est toujours à nous. Parfait. Donc un édit ici. Recrutement des mercenaires, on s'en fout. Recrutement des unités. 5 de croissance par tour. On est plutôt bien en croissance dans ce truc. On va prendre des impôts dans le coin. Pour changer un peu. Et on a une armée qui a une tradition non assignée. C'est eux. Ok, très bien. Alors, redoutable combattant. Bah ouais. Parfait, on prend ça. Ok, donc on a les séparatistes samnites qui vont probablement essayer de faire les cons. Ah, ici, il a décidé d'être contre-attaqué. Très très bien. Donc on a une bataille à faire. Oh allez, on va quand même se faire au moins une petite bataille sur le champ. Alors, il y a deux guets en plus à protéger, ça peut être intéressant. Sachant que comme d'hab, il a de la cavalerie, donc il pourra être assez mobile. Alors, ouais, alors je sais pas ce que c'est que ce placement de merde. Est-ce qu'on le voit ? J'ai pas l'impression qu'on le voit, hein. Donc il y a un guet là. Et un autre ici, très bien. Donc on va essayer de foutre quelques unités sur chaque guet. Avec de chaque côté quelques tireurs. Et tout le reste du coup, on va le poser entre les deux pour voir un petit peu où est-ce qu'il va se mettre. Ok, donc visiblement il s'est plutôt foutu par là. Ouais, il est beaucoup plus proche du guet que nous en plus. C'est très très chiant ça. Les mecs, vous allez courir. Les archers, vous allez courir aussi. Vous aussi, du coup, vous allez vous foutre en speed par là. Non, merde, pas vous. Vous allez vous mettre là où je vous ai demandé de vous mettre. Voilà. Et vous, vous allez vous mettre par là. Voilà. Ici, on va laisser... C'est large comment ce truc. On peut passer par là. Il y a une foutue caillasse là. On va poser deux unités dans la flotte pour bloquer le chemin d'éventuelles cavaleries qui voudraient faire le tour. Et vous allez courir par ici. Et puis bah, tout le reste de l'armée va aller se mettre plus ou moins en position par là. Allez, c'est parti. Il est beaucoup plus près du guet que nous, donc il y a quand même bien moyen qu'il le prenne avant nous. C'est quoi qu'il y a ? C'est du frondeur. Du frondeur et du frondeur. Ok, donc il envoie sa cavalerie. Nos archers sont trop avancés. Arrêtez-vous les gars. C'est bon, il charge pas avec sa cavalerie, donc s'il continuait... Vous allez même courir jusqu'ici. Non, vous allez même tirer sur eux dès que vous êtes assez près. Non, vous allez courir jusqu'ici parce que j'ai pas envie. Ici, concentrez-vous les gars. Archer.
J'ai du mal à comprendre leur fonctionnement quand même. Bon là on va sortir les boucliers. Parce qu'on est sur du frondeur. Allez feu les gars. Ils sont à portée là. Ils sont complètement à portée hein. Pourquoi vous leur tirez pas dessus? Tirez sur ces cons. En avant, en avant. Ici ils vont s'enfuir, parfait. Tirez sur eux maintenant. Parce que là du coup nos archers vont souffrir. Ouais, d'ailleurs ils souffrent tellement qu'on va les reculer je pense. Ça sert à rien. Ici vous allez vous poser là. Là on a largement les frondeurs qu'il faut pour s'en occuper. Donc on va reculer nos archers. Ils s'occuperont des unités de tir lourd on va dire. On avait une autre unité de lancier normalement. Ouais parce que là mine de rien ils souffrent un peu quand même. Nos mecs sont quand même vachement moins costauds que les hoplites. Malheureusement. Allez changez de front les gars. Il y a encore des frondeurs à gérer. Ils nous font mal mine de rien. Allez, vous êtes placé là, vous pouvez commencer à tirer je pense. Mettez-vous comme ça. Allez, 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 on trace. Les frondeurs. Oh mais qu'est-ce qu'ils font? Pitié quoi. Montez sur la petite colline, c'est ça qu'il vous faut. Les mecs ils sont revenus là. Allez, feu. Feu. Bande de relous. Voilà, ça y est. Un petit feu croisé, ça devrait leur faire du bien. Bon, ils ont fait mal à nos lanciers, hein. Ça fait un peu chier, mais bon. Bon, nos deux lanciers là-bas, visiblement, se sont fait contourner, mais au moins, ils empêchent... Ils empêchent de se faire prendre de dos. Bon ici il faut qu'on les fasse céder. La cavalerie aussi souffre, c'est la bonne nouvelle. Allez une dernière petite rafale. Non malheureusement ils n'auront pas cédé complètement. Non. Ah mais il y a une unité de d'archers ici, j'avais pas fait gaffe tiens. En avant, vous allez tirer sur ceux-là plutôt, histoire de les faire refuir. Ici je sais pas ce que vous foutez mais vous allez vous replacer. Ils sont peut-être pas assez loin, pas assez proche. Voilà, parfait. Donc là, ceux-là ils ont cédé définitivement, c'est parfait. Donc vous allez vous remettre sur une ligne un peu plus propre, vous allez pouvoir réavancer là. Là, ces frondeurs reviennent. Il a quoi derrière? Encore des frondeurs. Et encore des frondeurs. Et encore des frondeurs. Ok, c'est pas mal. Ici, je veux que vous me défonciez ces gens. Parce que mine de rien, ils balancent quelques javelots, ils font un peu chier. Alors ici ça tient, ça tient. Ça y est, ça tient plus. D'accord, ici du coup on commence à lui tirer dessus donc il charge. Ah, pas con la petite attaque de flanc là, ça se tient. Ok, donc ici c'est géré, parfait. Alors qu'est-ce qu'on a en face? De l'épéiste italique, du lancier milicien, du montagnard italique mercenaire. Il faudrait que les archers se concentrent sur les hoplites.
toi tu vas revenir par là. D'ailleurs, vous allez changer vos places, vous. Je veux que mes frondeurs soient sur ce flanc. Ici, il va falloir leur envoyer un petit peu de renfort, les gars. Vous êtes qui, vous? Des archers, qui est très bien. Tirer dans le tas. Allez, on va leur envoyer quelques renforts pour tenir la ligne. Merde, recule mec. Et puis aide un peu les sabins à résister. Alors vous, j'aimerais bien que vous tiriez là-dedans. Vous aussi, là, quelques petites rafales là-dessus, ce serait cool. Vous tirez dans le tas. Ce sera très bien. C'est quoi cette cave qui passe là? Putain, sans déconner. J'hallucine. Le mec il est passé à travers les petits rochers quoi. Normal. Vous laissez pas distraire, tirez sur ces cons. Envoyez de l'infanterie de Linen les défoncer, ça devrait leur faire du bien je pense. Les archers reculent, ça c'est quoi ça? C'est des lanciers sabins. Bouchez-moi ces trous. Un peu de renfort. Voilà, normalement l'infanterie de Linen, surtout que je sais pas ce qu'il fout là, mais il fait n'importe quoi. Ici, ce serait pas mal de commencer à tirer sur les peltasts. Les hommes sont hésitants. Ouais, bah forcément, les mecs ils se font laminer depuis le début du combat. Il y a un moment ça va devenir plus difficile. Ici, tirer sur ces frondeurs là. Archer. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Merde, c'est qui? Ah, c'est un frondeur, fais chier. Recule, mec. Ici on va continuer de tirer. Voilà, là c'est bon pour l'infanterie, c'est géré. Enfin la cavalerie pardon, c'est géré. Parfait, on va reculer un peu notre général du coup, comme ça il prendra un peu moins de tatane. Alors ici il a réussi à amener... Putain c'est quoi qui nous tire dessus? Vache quoi. Reculez les gars. Unité a utilisé toutes ses munitions. Ce serait pas mal de réussir à passer un petit peu de troupes par là, là, vu que visiblement ils font chier le monde. Alors on n'a plus aucun frondeur qui a des munitions, c'est ça que vous me dites? D'accord, du coup... reculer, ça sert à rien de charger dans le tas, vous servez à rien. Du coup on va essayer plutôt de diminuer les... Là on va se faufiler par les petites caillasses où visiblement on peut passer finalement. Ah bah non en fait on peut pas passer, c'est pas grave. Eux, histoire qu'ils commencent à servir à quelque chose. On va les faire venir de dos. D'ailleurs on pourrait aussi demander à eux de faire le tour, ce serait pas déconnant, mais là ça va céder de façon derrière. Les archers vont les dépiauter, voilà, parfait. Allez, commencez à rediriger un peu vos flèches sur les peltasts. Où est ma troisième unité d'archer? Allez. Stop. On s'arrête, il y a eux pour les finir. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Tu recules aussi. Alors. Forcément, hein, ça résiste.
D'où l'intérêt de prendre ces unités légères là et de les envoyer là-bas. Oh, et puis vous, vous allez courir, c'est bon. Courez, prenez le chemin le plus court par là. Pourquoi t'es engagé au corps à corps toi? Recule. 13 de munitions en plus. Eux, je sais pas ce qu'ils foutent là. La bataille tourne en notre faveur. Je veux, ouais, qu'elle tourne en notre faveur. Non, 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 par là, par là, par là. Vous allez par là, vous. Donc là, on a malheureusement plus de munitions non plus. Une de nos unités a utilisé toutes et ses munitions. Ici non plus. Donc on a utilisé tout ce qu'on pouvait en termes de munitions. Donc maintenant, c'est plus qu'une grosse mêlée. Mais bon, on a des unités qui sont normalement de bien meilleure qualité que les leurs. Surtout contre eux arriveront de dos, même si pour l'instant ils se traînent. Eux seront pas très efficaces au combat, mais comme ils vont vite, ils vont pouvoir faire le tour et faire une charge. Je pense que quand ils arriveront, il y a moyen que ce soit décisif. Si on va inspirer ces petits guerriers lucaniens. Ah, ça commence à céder. Malheureusement, on n'a pas réussi à se débarrasser de son général avec nos tireurs. Même si on lui a bien fait mal. Voilà, ici on y est presque. Donc on va leur demander de se foutre comme ça de dos. Eux ils traversent le gué, nickel, on va pouvoir leur dire de courir en ligne droite là-bas. Ah non non, visiblement ils continuent de faire le tour par là-bas. C'est très con. Donc venez là du coup. Tiens, on a encore des trucs qui tirent, c'est qui c'est eux? Ah mais ils ont encore des munitions, j'avais pas vu. Ah, bah dis donc. Ah, là on dirait qu'ils ont senti le truc arriver. On va terminer la bataille, ça sert à rien, on pourra jamais les poursuivre plus de toute façon. On lui a fait très très mal, et ça c'est cool. Donc on a une unité de lancier qui s'est fait un peu découper. Mais tant pis. Donc on lui a bien fait mal, en plus son général n'est pas mort. Du coup c'est très plaisant parce qu'il va rester. Plutôt qu'avoir une unité pleine, on aura une unité bien endommagée. Alors sur ce flanc, on avance sans aucun agent en soutien, ce qui m'embête un peu, mais bon, le Taras c'est pas trop agent. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ok, donc on avait bien une unité qui a complètement crevé. On va buter les survivants. Voilà, donc du coup il va falloir qu'on attende un peu, peut-être en plus c'est l'hiver avant d'attaquer, mais je pense que mine de rien on lui lamine ses réserves à un moment, il pourra plus tenir. Ok, alors là on a une bataille à faire, qu'est-ce qu'il a pris? Du hoplite mercenaire, du pilleur, des mercenaires élus d'Arthas, ok ça envoie du rêve. Et des Toxotai, et il a un général quasiment mort. Bon, c'est une bataille que je pense qu'on peut gagner. Notamment parce qu'elle est en ville et qu'on a quand même un petit peu d'unité potable. Néanmoins, on va pas la faire cette fois parce que ça va encore nous faire un épisode de 50 minutes. Donc on va s'arrêter là, on la fera la prochaine fois. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu, que la bataille vous aura plu. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.